Bon, aujourd'hui, c'est une journée qui s'annonce bien. Il fait enfin soleil. On s'est ramassé la pluie toute la semaine. Donc, ça a été assez compliqué. Là, on est un petit peu nombreux ce midi. Mon mari, alors, comme on est nombreux et qu'on a des jeunes et que tout le monde ne mange pas cru à la maison, mon mari a fait des lasagnes pour les enfants, pour ceux qui ne mangent pas cru. Et moi, j'ai envie de faire un petit dessert. J'avais envie de faire un petit dessert, un porridge. Un porridge, et il me reste des mangues. Donc, je vais mettre aussi une mangue. Je vais le faire avec du lait de souchet. Et ben, je vous emmène dans ma cuisine et je vous montre comment je fais mon petit porridge avec du lait de souchet. Et vous allez voir d'autres ingrédients assez sympas que je vais mettre en verrine. Allez, je m'en vais à la recherche de mes verrines. On va voir dans quelle verrine on va le mettre. Alors, dans la pratique, mes verrines, elles sont là. Le problème, c'est que je ne sais pas où elles sont exactement. Je crois que j'en ai là. Vous voyez, regardez, j'en ai là. Allez, je vais vous montrer. Alors, comme on est 7, j'avais envie de les mettre dans ces verrines-là. Elles sont pas mal, celles-là. Parce qu'après les autres, j'ai peur qu'elles soient un peu trop petites. Qu'est-ce que vous en pensez de celles-ci? Sympa. Bon, tu as vu cette recette, elle est toute simple. J'ai voulu faire des petites verrines parce que, bon, voilà, j'avais une mangue et puis finalement une petite note sucrée en fin de repas. Je trouve ça juste ben, magnifique. Ça permet aussi de mettre un petit peu plus de végétal. Bon, moi, je l'ai fait avec du lait de souchet. Tu peux le faire avec du lait d'amande, tu peux le faire avec du lait de coco, tu peux le faire avec du lait de noisette. En fait, tu peux composer cette recette. Le topping, j'ai utilisé une mangue, mais tu peux utiliser des fraises et des framboises, ce que tu veux finalement, des pêches quand c'est la saison, etc. Donc, à toi de changer peut-être quelques ingrédients pour ce porridge. Vraiment, c'est vraiment une note sucrée qui est très agréable. On peut le prendre soit en dessert, soit au petit déjeuner. Bref, on fait un petit peu ce qu'on veut. Alors, on se retrouve mercredi pour toutes les personnes qui sont inscrites à mes emails secrets sur mon site internet creusinez-vous.com. Sur ces emails secrets, je te partage finalement mes trucs, mes astuces, mes recettes. Et tous les mercredis, on se retrouve dans la boîte aux lettres, eh bien, pour partager tous ces trucs et astuces pour végétaliser, pour t'aider
t'aider à mettre plus de végétal, de vivant dans ton assiette au quotidien. Et puis, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et puis me faire voyager, la partager. J'apprécierais aussi de pouvoir, et cela même m'aide beaucoup, de pouvoir partager au plus grand nombre comment on arrive à mettre plus de végétal, plus de cru, plus de vivant et plus d'alimentation vivante dans son quotidien de façon très simple, avec des recettes simples, goûteuses et finalement qui ne sont pas si longues à réaliser. Voilà, allez, on se retrouve mercredi dans ta boîte aux lettres et puis sinon, prends soin de toi et à très très vite sur les ondes pour une autre vidéo. Ciao, ciao !